Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Maurice Douda, il est 19h, c'est Magie Jazzy, donc allons-y. Alors très rapidement, pour gagner deux livres, vous vous souvenez, c'était Faucheton sur la chaîne de Ludovic Gorge, ça y est, c'est fini. Et voilà donc les résultats. Alors, Ludovic a fait ça avec une machine en ligne, je vous assure que c'est tout à fait fiable, regardez bien, attention, il vient de lancer la machine et c'est le premier, c'est Yacine Amitou. Eh bien écoute, bravo Yacine, tu as gagné un livre. Voilà, alors on te sort du jeu, c'est normal. Et maintenant, on relance la machine. Attention, deuxième gagnant, c'est Daniel Atlas. Ok, eh bien, bravo à tous les deux. Mettez-vous en relation via la chaîne de Ludovic et vous lui donnez votre adresse en message personnel et il vous enverra tout ça. Merci à vous et bravo encore. Ce soir, un effet tiré du même Very Best Of que la semaine dernière, celui de John Mendoza, mais cette fois-ci, je vais vous parler du jeu automatique. Pourquoi j'ai choisi cet effet? Parce que je le trouve vraiment très très sympa et vraiment très bluffant. Bref, un effet qui cartonne sur le public, et souvent de fois les magiciens me disent « Mais tiens, comment ça marche ce truc ?» De toute façon, je vous mets tout dans la description, ainsi que le lien vers le jeu de cartes. Encore une fois, je vous le dis, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram. Voilà, je vous ai tout dit, j'espère ne pas avoir été trop long. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon samedi soir, un très bon visionnage, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Le jeu automatique, donc un jeu de cartes. D'accord. Voilà, pique, cœur, trèfle, hein, carreau. Et puis évidemment les quatre as. Le truc c'est de. En fait, c'est de perdre les as dans le jeu. D'accord, comme ceci. Et le jeu va les retrouver toute seule. Alors tenez, admettons ici pour l'as de trèfle maintenant. Ok. On peut même couper. As de cœur. Et enfin, tenez, on va carrément couper et le mettre dans le milieu du jeu. Voilà, l'as de pique. Juste là. Ok. Petit mélange. Donc pas d'as dessus et pas d'as dessous. Le truc c'est simplement de décaler comme ceci une partie du jeu, de l'insérer. Attention, on tourne la petite roue crantée ici, d'accord, on arme le jeu et normalement on arrive à retrouver un as. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Pas d'as dessus, voyez-vous. Pas d'as dessous. D'accord. Ok, ça marche face en bas, mais je vous rassure, ça fonctionne également face en l'air. On arme le jeu, attention, et logiquement, on retrouve un deuxième as. Ok, voyons voir. Je vous le refais. Ah oui, parce qu'il y a une option, je ne vous ai pas montré. Ah, ça c'est une option très très intéressante, d'accord, ok. Donc vous tournez la roue crantée, vous inversez la carte, vous armez le jeu et normalement l'as sort directement face en l'air. Ça c'est bien ça. Intéressant ça, non? Voilà. Bah, alors, vous allez me dire, ok, mais ça marche à tous les coups. Alors non. Parce qu'il faut savoir que comme toute machine, eh bien il peut y avoir des défaillances. Voyez-vous, par exemple, 8 de cœur ici, tac, on arme la machine et ah, on se retrouve avec une dame de pique. Mais bon, c'est pas un problème, hein. Là, il suffit de faire utiliser la magie, juste un petit claquement de doigts, on arme la machine, et là, logiquement, en décalant, on retrouve bien sûr le quatrième as. Donc surtout, n'hésitez pas, faites l'acquisition d'un jeu automatique.